Et bonjour, bonsoir, bienvenue à tous, nous sommes de retour sur My Little Newbie. Et nous faisons un peu de Minecraft en 1.9. Je sais pas d'où il sortait celui-là, mais il est sorti. Et donc là, 1.9, c'est cool, 1.9. Sauf que les packs de textures, ils sont pas sortis. Optifine, il est pas sorti. Donc on y va vraiment vanilla. Hop là, je me suis trompé de touche, j'ai coupé l'enregistrement. C'est pas très grave, ça faisait longtemps. Donc ça faisait longtemps avant de quitter ma partie. Lors de la précédente session, j'en ai profité pour faire un petit peu de farming vite fait, histoire de, comment dire, éviter que ce soit casse-couille à me regarder planter du blé et chasser des vaches pendant 2 heures. Donc on a gagné un petit peu de temps. Voilà. Hop là, donc on est sur la 1.9 pour ceux qui connaissent pas les nouveautés. On a donc le petit bouclier avec la main gauche, c'est génial. Hop là, je peux pas me servir de l'épée en main gauche, ok. On peut par contre choisir de jouer en tant que gaucher. Je baisse légèrement le son. Hop là. Oui, non, je sais pas. Ok. Donc on a fait un petit enclos à vache. Et d'ailleurs, si je me souviens. Oui, non. Oui, non. Ok, ils ont disparu. C'est pas grave. J'avais réussi à retrouver les petits toutous que j'avais enfermés dans cet enclos. Oui, je les avais fait passer par le. Je les avais poussés à la main directement dedans, en fait, tout simplement. Et ils ont disparu probablement à cause de la mise à jour. Je sais pas, je remettrai deux petits legits. Enfin, tant pis, au pire, si vous êtes pas content. C'était legits. Oula. Petite ellipse, vite fait. Et là, les amis, voilà. Donc, je sais plus du tout où j'en étais, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, on fait un petit tour vite fait. Donc, on a des poupoules, on a des cocottes, on a des vavaches. On a 2-3 arbres à pousser encore. Et ah oui, j'avais commencé à d'aller vite fait le trou de hobbit. Le trou de hobbit qui finalement va changer de fonction. Par contre c'est un peu casse-couille le bouclier en permanence. Le trou de hobbit va changer de fonction. En fait ce sera l'entrepôt. Voilà, l'entrepôt. L'entrepôt, ça me plaît bien comme idée. Et aujourd'hui au programme nous allons explorer un petit peu. J'ai pas de bouffe en stock, si voilà. Hop là. Bah si, j'ai du poulet. Nous allons explorer un petit peu. Je vais faire 2-3 coffres à l'arrache. Hop là. Ce qui serait pas mal, ce serait qu'on arrive à trouver un donjon, un de ces 4 ou un truc comme ça pour pour réussir à faire pour avoir une selle, voilà, je vais y arriver. Je vais peut-être garder les flèches. J'ai que cette flèche, on va en faire un petit peu. L'arc, j'ai un arc ou pas qui traîne dans, je crois pas. On va aller voir. Donc on va l'explorer un petit peu pour essayer de trouver, ce serait cool, un biome. J'aimerais bien choper du sapin. Tout simplement, du sapin ou du chêne noir au choix. Parce que j'aime bien faire des poutres foncées, c'est complètement phallique. Comme remarque. Et on va faire ça comme ça, je pense que ce sera plutôt cool. Et je vais faire un arc tout simplement tout neuf, ce sera moins embêtant. Donc on a un peu de bouffe. On se fait nos armes, l'arc, et on va aller partir à l'aventure. Je me rappelle plus grave de là. C'est ça. Oui. On va faire des torches éventuellement si on s'aventure dans un précipice au passage, genre on croise du fer ou des trucs comme ça. Hop là. Je pense qu'on va partir également avec un four. Ah oui, on prépare les expéditions. Hein. Merde, fais chier, je fous tout à côté. Il me faut une hache également. Hop là. J'ai rien besoin d'autre ici. Non. Et la hache, on a dit. Deux haches en bois, ça sert à rien. Hop là.
bah du coup on va mettre le bouclier. Ça. Hop là. Les flèches, on n'a pas besoin de les voir dans l'inventaire. On va servir du poulet uniquement. Le four, on le range là-dedans. Et une petite table de craft tant qu'on y est. Évidemment, j'ai pas le bois qu'il faut sur. Ah, j'en ai déjà marre. J'en ai déjà marre et mon chrono a cessé de fonctionner. Oui, non. Je ne sais point. On va voir ça. Voilà. C'est bon? On a ce qu'il nous faut. On part à l'aventure. Plein est. Vers le désert, magnifique. Alors, sachant qu'en plus nous sommes en 1.9, j'ai eu l'occasion d'explorer vite fait pendant le... Je suis allé chercher un peu, voir si j'arrive à trouver des cochons ou des trucs comme ça. Comment dire... on va tomber sur un moment, un bug sur la génération, il faut s'y attendre. Vu que... Ok, c'est juste un chargé pas. Vu tout simplement que la première génération date de la 1.8, on va tomber à un moment ou à un autre sur la 1.9. Il y a probablement l'océan qui est tronqué par une montagne. Une montagne complètement coupée en deux. Okay. Oh non, il y a une. Une witch en plus. Eh, ça marche bien. Alors maintenant les witch, on les entend, ça c'est cool. J'avais oublié ce détail, mais j'aime bien. Complètement sadique ce rire. Alors je le rappelle, hein, on a qu'une seule vie, donc ça serait bien de pas faire trop le foufou. Quitte à explorer un peu. Hop là. Du coup, je n'ai pas mis de lit, mais bon, c'est pas franchement nécessaire en soi, puisque, enfin, si, il va falloir que je finisse par le faire. Comme, d'ailleurs, voilà, on a trouvé l'un des premiers objectifs de cette exploration, c'est trouver des moutons. Trouver des moutons et plusieurs, puisque j'ai oublié de prendre des cisailles. Enfin, oublié, j'ai juste pas pris de quoi en faire, en fait, tout simplement. Je n'y ai point pensé. Ah bah des cochons. Parfait, on sait qu'on a des cochons. On reviendra en chercher pour faire l'élevage dès qu'on aura des carottes. Ce sera pas mal. Ça j'aime bien. Vous voyez les explorations qui se passent bien. C'est cool. Pourquoi je n'ai plus les bruits de pas. On tombe direct sur l'océan, c'est pas très très drôle. Ce serait pas mal d'échantillonner. Au moins un pouce. Parce que le bois en soi, on s'en fiche, on n'en a pas besoin. Mais j'aimerais bien en faire pousser. Je sais plus si j'ai de quoi en faire. Ça me semble avoir vu de la cassière dans mes coffres tout à l'heure, mais... Ah voilà, on a un pouce. Hop, voilà. En tout cas, ce coin est plutôt sympathique. J'aime bien les savanes, elles sont... Déjà, il pleut pas dedans. J'aurais peut-être dû prendre une deuxième épée. On se battra à la hache, tant pis. Et je prévois. Voilà, un peu de viande au pif. Tranquille. Ça me rappelle la petite savane où on s'était installé avec Pasty sur Adopt un cube. Pour les anciens, entre guillemets. Ceux qui sont là depuis longtemps ou ceux qui s'amusent à aller creuser dans les méandres de la chaîne. Vous avez toute une série, toute une section archive de l'époque où je faisais mes gaudrioles en compagnie de Pasty et Point Attachy. Au final, j'ai troqué une blonde pour une autre, hein, c'est pas... Oh là 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 là.
Je crois qu'on arrive au bord de la génération. J'étais allé loin quand même, hein. Je m'en souviens pas, ça fait un moment. Voilà la nuit qui se pointe. On va commencer à avoir 2-3 problèmes. Eh ben non, ce n'est pas la fin de la génération. La vache. Classe. On fera peut-être un petit truc là-dedans, un de ces quatre. Si vous voulez mon avis. Oui, c'est exactement le genre de site que j'ai passé des heures et des heures à chercher sur Adopt un Cube. Puisque le projet à la base dans la savane où on s'est installé avec Pasty, c'était de faire une espèce de grande ville sur une montagne. Ah, les flèches rebondissent. Une citrouille. C'est pas hyper utile, mais on va la prendre. Et donc oui, on voulait faire... C'était surtout mon idée, mais Pastille était plutôt partante, c'est assez intéressant dans l'idée. Merde. Vous pourrez voir sans difficulté ce que ça a donné. C'était plutôt cool hein, quand même, hein. le résultat on en est content. Mais c'est pas du tout ce qui était prévu à la base, ce qui était voulu. Et un site comme ça, mais ça aurait été n'importe quoi en fait. Le projet c'était de mettre des maisons à flanc de... Vraiment sur le flanc quoi, avec des galeries qui voyagent à l'intérieur dans tous les sens. Et c'était vraiment cool. Moi j'aimais bien l'idée. Ils sont toujours dans la bonne direction au moins. Toujours plein à est, mais c'est bon. Et je snob un peu les mobs parce que vu la quantité, si je prends le temps de m'arrêter, on est foutu. Je rappelle qu'on a qu'une seule vie. Et que j'aimerais bien rester en vie plus de 3 épisodes. Enfin du désert. Je trouve ça curieux que on n'ait pas atteint la génération de 1.9. Ou alors il n'y a pas eu de changement. Il n'y a peut-être pas eu de changement sur la génération tout simplement. Ce que je trouverais étonnant, mais. Après tout, il n'y a pas de nouveaux blocs souterrains ou quoi que ce soit. J'en sais rien. Si quelqu'un pourrait me renseigner. Ah si, vous voyez, il y a beaucoup de grands arbres maintenant. J'ai l'impression. Ah bah, voilà. Objectif numéro 1. Attends. Ah bah c'est vrai. Il va falloir qu'on trouve un moyen de ramener ces fichus moutons. J'y ai pas pensé. Bon, un dernier. Vache. Ils sont vachement plus difficiles les combats maintenant, hein. C'était quoi ce bruit? Ah merde. J'ai trouvé ce que c'était ce bruit. Et donc, qu'est-ce qu'il y en a comme cochon ici? Bien. C'est un peu angoissant, on n'a toujours pas eu la petite musique depuis tout à l'heure. Aïe. Ah, ouh. Aïe. On en est où? Oh, on a qu'à la moitié de la nuit.
sapin, s'il vous plaît, que je puisse rentrer chez moi. Je pense qu'on fera une ellipse sur le retour, si vous voulez bien. Parce que ça va être un peu l'enfer, sinon. On en est à 15 minutes. Un bébé zombie. Au secours. Aïe. Ah, ils se sont tapés dessus. Parfait. Ça, c'est une IA comme je les aime. Une bestiole qui se tape dessus et... qui se retourne l'une contre l'autre. J'ai cru voir une arme vachement foncée. Non, c'était juste les effets de lumière. Je trouvais ça bizarre. Peut-être dû prendre de quoi faire des épées et des boucliers en réserve. Quoique le bouclier a l'air de plutôt tenir pour le moment. Aïe. Oh là là. Oh là 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 là. Des bébés zombies PNJ. Qu'est-ce que c'est que ça? Dans une splendide montagne, dis donc. Ah bah voilà, on a des sapins là-bas, on va enfin pouvoir rentrer. Aïe, on a mis qu'un épisode à trouver du sapin. C'est le bordel. Je suis un peu triste de pas être tombé sur un village de PNJ entre temps, mais... moi. Pas vrai. Oh le bordel que c'est ici. Ah bah il pleut déjà. Non ça m'arrange pas. Aïe. La lave juste là. Non, 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 non. Ah, je m'en fous, là, je fais plus de dégâts, mais tu dégages. Oh la vache. Oh la frayeur. Putain, mais je vais mourir. Vache. C'était Tandax. Bon. Vous connaissez l'astuce. La nuit, quand c'est le bordel. Non. Ah, fait chier. C'est pas pratique. Voilà. Ouf. Bon bah écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là pour cet épisode. Voyez, c'est bourré de sapins. Je vais en échantillonner un petit peu. Je vais rentrer tranquillement. Ne vous en faites pas. Je tourne au cas où en cas de mort subite ou quoi que ce soit. Mais oh, il y a un marais là-bas. Bah, je vais aller chercher... Non, j'ai pas de quoi faire de pinces pour aller faire les vignes. Tant pis, ce sera pour une prochaine fois. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite. Ou pas. D'ici là, portez-vous bien et salut.